Bravo, ma chérie. Tu es la meilleure. C'est super. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites avec mon lit? Ça fait tellement longtemps qu'on se dit qu'on va refaire ta chambre qu'aujourd'hui, on a décidé de s'y mettre. Pendant les travaux, tu dormiras dans celle de ton frère. Dans la chambre de microbes? Alors ça, même pas dans vos rêves. Mais enfin, Nina, voyons quel est le problème. C'est l'histoire de 2 ou 3 jours. Oui, n'oublie pas qu'après, tu auras une belle chambre toute neuve. Je refuse de dormir dans la chambre de microbes. Qu'est-ce que vous dites? L'alien dans ma chambre? Je préfère finir broyée dans l'estomac d'un alligator. Pour deux. Et voilà, comme ça c'est bon. Comment ça c'est bon? C'est de l'adhésif double face. Si t'essayes d'entrer, tu vas rester collé par les habits, les cheveux, la peau. T'auras plus qu'à dormir dans le salon puisque tu pourras plus entrer dans ma chambre. Là t'es dégoûté, à vous. Et toi, comment tu comptes faire pour entrer? Avoue que t'es dégoûté là. Non. Ce que Microbe a fait. Trop débile ta technique du scotch, Microbe. Même plus besoin de te piéger pour que tu te fasses punir. Maintenant, tu fais le travail tout seul. D'accord, je me suis peut-être fait avoir une fois, mais j'ai corrigé le tir. Du calme, Microbe, tu pourrais te blesser. T'inquiète pas, pour moi, j'ai piégé toute ma chambre. Essaie d'y poser la moitié d'un doigt de pied et tu seras désintégré. Je t'aurais prévenu, l'alien. T'aurais quand même pu prévenir papa. Mon petit papounet chéri, merci de m'avoir apporté une nouvelle lampe. Tom! Tom! Oh, un petit frère comme le mien. Je les changerai pour rien au monde. Tom, on est bien d'accord. Tu laisses entrer ta sœur dans ta chambre, c'est compris? Et toi, Nina, tu vas t'y installer sans faire d'histoire. Je compte sur toi. De nuit, c'est tout de même pas la fin du monde. Comment vous faites quand on est en vacances? Ouais, oui, mais là, c'est pas la même chose. Eh ben, c'est comme ça et on ne discute pas. Fini les disputes, compris? Ou vous serez punis tous les deux. Oui, mais... On a dit pas de discussion, point final. Bon, d'accord. Et voilà. Qu'est-ce que tu fabriques? En tant que colocataire, j'ai droit à la moitié de chaque tiroir et de chaque étagère de cette chambre, Microbe. Tu délires ou quoi, l'alien? T'es en transit, je te signale. C'est toujours ma chambre. Papa! Ça va, c'est bon, je te laisse un tiers de la place, pas un centimètre de plus. Rangement et nettoyage obligatoire de la chambre tous les soirs. Qu'est-ce que tu dis? Ça fait combien de temps que tu t'es pas lavé? Ça fera 3 semaines demain. Et si tu m'embêtes, je te préviens, j'essuie mes pieds sur ton oreiller. Ah, t'es vraiment dégoûtant, Microbe. Ouais, dégoûtant, mais intelligent. Mon bouclier de crasse me protège des attaques de virus aliens. Comme ça, au moins, je suis sûre que tu m'approcheras pas. Hé, c'est quoi cette horreur? Eau de parfum de chez Lovermove. Alors, les enfants, tout se passe bien? On a fini de décoller l'ancien papier peint, hein? Demain, on attaque la peinture. Tu vas taire, Microbe. Je veux dormir. Demain, il y a école, je te signale. Je te préviens, si tu continues, j'appelle papa. Si tu réveilles les parents pour rien, c'est toi qui seras puni. Je te désintègre les tentacules. J'espère que t'as pas trop sommeil, l'alien. Pose un seul pied sur mon territoire et je te fais tomber le plafond sur la tête. Le ciel va nous tomber sur la tête à tous de toute façon. T'étais pas au courant, Microbe? Au courant de quoi? Une météorite va heurter votre planète dans 27h34 minutes et 20 secondes exactement. Au lieu de perdre ton temps à faire le clown, tu devrais faire quelque chose. Si c'était vrai, tu serais pas aussi calme. Moi? J'ai rien à craindre, vu que mes supérieurs sont déjà en route pour m'évacuer en vaisseau avant l'impact. Oh... Enfin, j'ai la paix. Et la chambre de Microbe pour moi toute seule. Cette journée de travaux m'a épuisée, pas toi?
Si, mais tu verras, rien de tel qu'une bonne nuit de sommeil pour... Oh, c'est bon, je vais voir. Tom, mais enfin, il est presque minuit. Qu'est-ce que tu fabriques? Je construis un abri pour nous protéger de la météorite qui va percuter la Terre. Nina, je crois qu'il faut qu'on ait une petite discussion à propos de... Nina? T'es vraiment prêt à gober n'importe quoi, microbe? Hé! Hey! C'est pas vrai, je le crois pas. C'est le cauchemar! Maman! Tiens! Ah! Oh! C'est l'alien qui a commencé! C'est pas vrai! C'est Microbe qui ronfle, rien que pour m'empêcher de dormir! Allez, au lit tous les deux! Je vous confisque vos oreillers, tant pis pour vous! Il est à peine 6h du matin, c'est pas vrai, ils veulent nous tuer. Quelle nuit épouvantable, on va jamais tenir la journée. Il faut finir les travaux le plus vite possible pour que Nina retrouve sa chambre. Attention. Et attention. Ça y est, Nina, c'est fini, ta chambre est prête. Youpi, c'est bon, je peux m'y installer? Il faut encore attendre 24 heures pour que la peinture sèche. Oh non! Hé, l'alien, t'as pas remarqué un truc? Je dors, je te signale. Chaque fois qu'il commence à faire nuit, on se met à parler à voix basse. Un peu comme, comme si on avait peur de la nuit et qu'on voulait pas qu'elle nous entende. Mais moi, je la crains pas parce que je suis un vrai guerrier! Je suis le courageux capitaine Tom! Sans peur et sans reproche! Bon, et maintenant vous dormez, hein? Sinon demain il va pleuvoir des tonnes de punitions, c'est compris? Tu comprends maintenant pourquoi on parle à voix basse quand il fait nuit? Des fois, je me dis que j'ai de la chance de t'avoir, Microbe. Moi aussi, l'alien, parce que tu me fais vraiment rire. Finalement, c'est super chouette d'être dans la même chambre tous les deux. Mais ouais, c'est ça, rêve pas trop quand même, l'alien. Je te rappelle que demain matin, tu dégages de mon territoire. Qu'est-ce que tu crois? J'ai pas l'intention de rester une minute de plus. Ça pue trop la chaussette pourrie chez toi. Eh bah tant mieux, mauvaise nuit l'alien. Ouais, toi pareil, Microbe, faites beau cauchemar. Oh, aujourd'hui je récupère ma chambre. Fini les ronflements affreux et les odeurs de pieds qui puent. Youhou, l'alien lève le corps et j'aurais plus à les supporter, elle et son hideux poster de l'overmove. Comme il nous reste pas mal de peinture, on a décidé de refaire aussi la chambre de Tom. Tom, pendant ce temps, tu t'installeras à ton tour dans la chambre de Nina. Hein? Oh non! Je refuse de dormir dans la chambre de l'alien! Je préfère encore boire 10 bols de soupe aux épinards d'affilée plutôt que d'accueillir Microbe dans ma chambre. Et puis c'est tout! Voilà! Cette fois, on est sûr de passer une bonne nuit de sommeil, enfin. Comme tu dis, bonne nuit, chérie. C'est ma chambre ici, Microbe. T'es obligée de faire ce que je te dis de faire. Et moi, je te dis que c'est tout le contraire, l'alien. Je fais ce qui me chante, t'entends?